Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bande Konanga. Oye yindi ensemble pour les changements. Boyo Kabandeko. 30 députés s'opposent à la position de Katumbi. Actuelle, Bandeko, position actuelle na yeba Zolobama B. Donc, et si bien, Oyo Kaka, ensemble Panzani. Balobi clairement va se pelliter na ninga loba ki na chef de l'État. Et Zaya Kouyinda, et si yindi. Deuxième point, chers téléspectateurs, Boyoka interview de Ekengesi Bounagana et l'arrivée de l'armée du Kenya. A quoi expliquer, à cela qui intervient na RFI Bandiko. Pe bon, moussou pete basse Boyoka ki, Bokoyoka sur Bounagana et puis l'arrivée ya armée à Kenya. Tous à la connecter, peut-être qu'on développe mon émission. Troisième point, Bandiko Nangai. Mawato, aminembui, bandeko batu yo, soko yo ki ba verite we bimiawa. Toko tchela bino extrême boko yo ka ba detail, bandeko makanika aza kwa atake FARDC nani, et puis en complicité avec des chefs, soi-disant, ba chef koutimi, ya ba tout yo bazana na minembwe, na yebite, na société civile amoso wa minembwe. Donc, Mawatro, alors, Bokoyo kaba vérité, Batouyo, Bazara qui na FARDC, Bangoyo, Bakunko attaque FARDC. Alors, Soukanambiscate, tous à la connecter, peut-être développer mon émission Napsu. Chers téléspectateurs, émission Napsu et Bandi, comme d'habitude, Yemsa Mouninganion sur place Bozo Sola et Tangwe Koki. Poto sur la situation politique dans notre pays. Parce que Obalubaka déjà, premier point, Ezaya Kouyinda Bandeko. Obalubaka Motepeli. Ensemble pour le changement de Katumbi. Et so Panzana Kalati. Tolobaki Yango. Ezana Batumusu Batushakate. Yozo menace Mokonzambo Kandengiwana. Toboyite Tozana démocratie. Bandeko ensemble les a divisés en deux parties. Boyebi ke bazala peu près na 70 députés et puis plus de la moitié, plus de 30 bazo s'opposer la position actuelle de Katumbi. Ba sepelite na makambo ya salaki. Ba lobi yazo leksa vidéo wana. Est-ce que Asoula qui n'a pas n'inga nyonso? Et ça le col à haute trahison na kati union sacré. Alors, bon abango, ba monete. Donc, Mawatu, Moïse Katumbi. Donc, c'est fini. Toloba kango. Abandi makambo yo. Déjà kala. Tout l'année qui intervient, ma bien que le Jida, mais le lo makambo et bimi, ba député pena ba lobi bisoto silani na Katumbi. Oh, bo silani, eh, problème li. Bo tala bo, tala bande qui sont bien expliqués. Ba lobi même vidéo ane le kaki. Biso ba député ensemble to ebi yangouti. Biso tozali na kati union sacré. Et puis tozali na kati a parti na biso ensemble. Il fallait to sol. Bandeko ba obenga bango ensemble progressif. Bandeko za ya kuinda Katumbi silia. Bandeko ya ensemble progressif balobi Katumbi il fallait ba sol la na bango. Po bango pe. Et c'est important que
avant même abimisa vidéo ya ndenge wana il faut soula na ba bande ko sa chauffe moins ka tumbe za na problème très très sérieux bande ko bozola démission alors totanga bon tombe ka ko comprendre qu'est-ce qui se passe juste na kati ensemble pour les changements pourquoi ba député ona ba se révolter contre Katumbi avance. L'heure est grave. Plus de 30 députés d'ensemble pour la République s'opposent à la position actuelle de Moïse Katumbi, non concernés par la dernière sortie médiatique d'Olivier Kamitatu. Donc, bande kobazo lova cause moko oyo kaka valable. Etu, Oyo, Okamitatu Etu, porte-parole de Moïse Katumbi, qui a dans une vidéo diffusée sur la toile dressé un tableau sombre de la gouvernance sous Félix Tshisekedi et a insisté pour la tenue des élections dans les délais. Selon lui, pas une minute de plus ne doit être accordée aux dirigeants actuels à la fin de leur mandat. Dans leur prise de position, dont ces 30 députés, dans une trentaine de députés, dont plus de 30 des députés nationaux du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, se désolidarisent de ces propos. Dans une déclaration faite mardi 11 octobre à Kinshasa, il souligne qu'ils n'ont jamais été consultés au préalable par les porte-parole de l'ensemble Kamitatu pour la République, dont jamais Batika est porte-parole du parti Ensemble pour la République Kamitatu Atika Kosolana Bangoti ni Yemoko Katumbi Atika Kosolana Bangoti. Avance. Le courant révolutionnaire progressif d'Ensemble pour le changement tient à faire remarquer que toute déclaration aux sorties médiatiques qui engagent la responsabilité des plateformes Ensemble pour le changement doit faire l'objet de concertations préalables entre les différentes composantes. Le courant révolutionnaire progressif d'Ensemble pour le changement, qui n'a jamais été consulté au préalable, n'a jamais mandaté quiconque pour parler en son nom, ont-ils déclaré. Ben, de quoi comprenez bien. Que Katumbi a dirigé plateforme. Et ça n'a pas sous-parti politique nakati. Ba parti politique wana. Ba lobby Katumbi a consulté Bisouti. Bango bazo bazo benga le courant révolutionnaire progressif d'Ensemble. Plus de trentaine ba se pelité na comportement ya Moïse Katumbi. Toloba kiamo. Tala siko na katia. Parti ne moko balobeli, balobeli, yé, toloba y keza possibilité. Koza la traître na katia, ignon sacré ko simbati. Ayant constaté que les actes posés par les dirigeants d'Ensemble pour la République définissent ces partis politiques comme étant de l'opposition au régime de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il appelle à la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, le gouvernement provincial et autres institutions. Ba délégué wana nyonso oyo Katumbi atiaki na ben institution na niveau ya union sacrée bazo démissionner côté à Katumbi, donc c'est fini. Et panzani ba lobby démission ali. Ces élus de courant progressif, révolutionnaire progressif, se sont opposés à la requête du parti de Moïse Katumbi selon laquelle le bureau de la CENI doit être changé avant la tenue des élections 2023 pour selon eux satisfaire à leurs revendications farfelues. Ba lobby était bango bako sepelati était bureau de la CENI va changer parce que un. Cette requête estime aura pour conséquence la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Ben, ça a raison. Ben, mais ce qu'on le dit, qui va changer sur le cabinet à Sénie.
ndenge kabitatu na video yake na ezo mwana clairement eti election kuzana rita allo bango bazana kanda ces élus nationaux renouvellent les loyautés yeah. Eza ya kuinda esi yini Moïse Katumbi bazana problème ces élus nationaux renouvellent les loyautés et fidélité au président de la République chef de l'État Félix Antoine initiateur de l'Union sacrée Eza ya kuinda esi yini Motepeli. Ba député plus de 31. Ba renouveler loyauté na bango chef de l'État. Tu es ça non. Tozana mokonza mboka. Oyo bato ba mona kamusika. Ba yebi ke mokonza mboka azo bongisa mboka. To féliciter ba député ya ensemble pour les changements. Ba comprendre que Moïse Katumbi ame ba mona direction à ma pays. Biso ba tuto lobiti. Ba lobi ke il fallait consulter même bango. Avant même vidéo ne bima sur la toile, na réseaux sociaux, il fallait à consulter bango. Abo sanate ki doza na plateforme ensemble. Alors bango ensemble progressif, plus de trentaine. Ba le ma watre pi ba osenga ba démission. Ya bato nyonso bazan organe institution. On va outil ensemble pour l'échange. T'as la fin, il y a Katumbi. Sauf que, Boyebi Kazan a 70 députés. Si je me trompe. Sur les 78 et 75, ce qui 35 baloué, à côté qu'on a 40 députés. Donc, force pénécile. Et puis, il y a Bamoussou déjà, parce que Benana va s'en partir là-bas. Donc, si tu as su comment mon boulot pour la Katumbi, tu as évité Oyo, le Tundula Okena Bango, tu as évité Oyo, ministre, il y a enseignement supérieur, Moïse Nzanga Okena Bango. Alors, Moïse Katumbi, combien de députés ont été en Bango? Et Yimbi. A simbi place où il fallait pas. Ndeko, ba depito yu bazaba nationaliste. Ba comprendre ba bi oh. Mokonza mboka oyu. Azo bonza mboka. Katumbi li kamunini na présent Félix Tshisekedi. Biso ba tuto lobite. Ba lui bazo comprendre te makambo a lobi na chef de l'État. Et puis à son nom, il y a Bangoti. Katumbi, a ça un problème sur lui. Bandeko, tala, et ça n'a pas tout moussous. Ndengo moni bango nyosu wana. Bandingi mboka na bango. Et ça te po yomo konjo lingi mboka te bisuto landai. Si je comprends bien. Bat ensemble, bon limbi sa son à l'Umabi. Mais je suis en train de dire la vérité, ce qui a été dit. Ato Baksaba Mouti. Ils ont dit clairement que la position actuelle de Moïse Katumbi, ils ont rendu Bango, donc ils ont ça la kitokoti. Malkabo Lobina, chef de l'État, ils ont kitokoti. Bango Bazo renouvelé loyauté na Bango au chef de l'État, son excellence le président de la République. Félix Tshisekedi, Tshilo. Voilà la situation de Katumbi. Nous avons regretté. Il fallait. Oyo yé na union sacré. O bani sur. Donc, tout le bani. Nassima mou kongole sou. Non. Azala ki n'exil. Fati admission n'exil. O bossani, mais c'est Katumbi. Zala non opposition, il fallait même pas aller à l'Union sacrée. Y'en ont félicité Bemba. Humilité naïe. Et qu'on changeait vie à Jean-Pierre Bemba. To aller à Bandeko. Ndenge mboke zo kende. Jean-Pierre Bemba ndenga azo kena direction wana. Ba ninga nyonso na kati Union sacrée bazo mona yi.
Haza poids politique. Au Kamo en 2028, après Fatih, au Kamo Penaki, Bemba na Union Sacrée, président de la République. Bon, Kamo Api. Sala imiriti. Zala malamu na baninga. Bemba comprendre les positions à Fatih. Awa. Tato a zala ba stratégie. Il faut que zala bien. Tout continue mal. Pas ok, na mboka malamu. Bemba a compris. Avant de calme. Masolo kitoko. Katumbi azo laksa clairement. Donc oyo ka se consommer relation avant. C'est fini. Alors, ba député si konde ba tomboki a osali. Alors, bandi konanga bota la problème. Et ça ya koyinda, ensemble donc kalate, et so panza. C'est à ce point, to tiki premier point, to komoke na deuxième point. Chers téléspectateurs, deuxième point, et sa situation à Bounagana, où les Congolais, nous ne comprendre ce qui se passe. Pourquoi, quand et comment. Alors, le général Kingi, Makamba Lobo, il a fait des choses à la détermination. À ça, il a fait une interview à la RFI. Mais à tout le temps, il a compris bien. Vidéo na moto tchangwe zati. Alors, na RFI en direct. Ya omo biso to tandi ba question. Oyo o eza pena ya makasi. Oyo ba tuna question buna kana. Ya za porte parole la FARDC azana kati ya terrain na Nord Kivu. Ayibi o izoleka. Oyo ekenga lobi yango wana pe oyo mboka na biso ba lobi. Na niveau sécuritaire kuna na Goma. Il a été clair. Il a expliqué la situation de Bounagana. A lobi ke biso le regard fixé et pas ya ennemi. Toza wana, toza penza na kati ya boulou. Donc, si je comprends bien, le regard fixé vers l'ennemi, toza mona ke bande kubo yo kaba momo su utilisé, ou comprendre que faire des sazara position de force. Ba voisin ba mi kosati. Et le mine de Komoko kalate M23. Armée rwandaise ba kulia biloko na bango. Biso ba tutulubite. Ba vrai abonné. Ba nationaliste. Pourquoi ba lobi bon? Loyo boko yo kama kambo ya lobi. Non? Il est clair. Bah, une question. Arriver à ma force régionale. Alors, bien arriver à ma force régionale, bah, de comme sous peut-être l'année vidéo, on comprend dans la zone. Alors, bien arriver à force régionale. Donc, et c'est là que c'était, si ce n'est pas ce matin, c'était hier. Interview. Alors, bien arriver à force régionale. Tous a déjà na Burundi sur le terrain. Soudan, Haïti. Force Kenyan, force Ougandaise, Baïté, Kako Bazana, na Ituri, Obazana, na opération conjointe, na ya ADF. Alobi l'armée Kenyan, ba matériel nyon Suzana Goma. Tout l'an a très bien. Ba matériel militaire ya armée kenyane nyon se zaragoma. Mais pango moko ba om bitumbana ba iti. Ba tune question. Le chef de l'État avait dit que ba kota na Bounagana. Alobi, ba kota na Bounagana, pas se zama kambo armée, ba lingi ya lingi a prezisete. Al ba kota na Bounagana. Ba kota wapi, c'est la FDC. Ba ne kwa nyati pe na réponse. Alobi, eza la bakokota na Bounagana. Eza bakokota na nzela nini? Nyoso wana eza wapi? EDC. C'est-à-dire, ke, makambo ezo leka kuna tozomo na kake batu wana bakokena bango. Petete minduke olelate. Me ante taba zo pie. Do ozomo na fade sa zana position de force.
bango basi ba moni bibundeli ya Kenyan déjà na kuma. Si je comprends bien, ba tank, ba avion de chasse, ba missile, nyonso ba canon ya armée Kenyan eza na Goma. Soko lande interview ana, o comprendre ba français ba sali. Ba to ba lana ko ba o comprendre ma kambo na zulupa. Alors, ba tunye pe question c'est, el abi election ko zana kuna, na Rutshuru pe election ko zana Ituri, partout election ko leka nango bien. Ta o muta zulupa bon. Toujours on a clairement que ma soule ko sila, avant l'élection. Alors, tout le temps, on continue la mission. Boyoka interview de Ekenge sur Bunagana et l'arrivée de l'armée du Kenya. Le général Sylvain Ekenge Bomusa, porte-parole du gouvernement du Nord qui vous a indiqué. Première question à RFI. Obatuni Ekenge. Que pouvez-vous dire aujourd'hui de la situation sécuritaire du Nord Kivu? Porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, général Ekenge a dit ceci. Général Sylvain Ekenge, si la situation militaire elle est stable, depuis que les affrontements ont commencé dans les territoires de Rutshuru, on a fixé l'ennemi. En attendant, nous puissions continuer avec les opérations sur les plans sécuritaires. Il y a beaucoup d'avancées. Dans la ville de Goma, la police fait son travail. Au niveau du territoire de Bénin, les opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée de notre pays continuent pour traquer les ADF MTR. Dans le territoire de Masisi, la situation commence à un peu empirer lorsqu'on avait déjà presque réglé la situation sur cette partie du territoire. Mais avec le désengagement des troupes qu'on a amenées pour combattre les Rwandais qui nous ont agressés sous couvert de M23, la plupart des groupes armés commencent à avoir pignon sur rue, mais la situation est sous contrôle dans l'ensemble de la province de Nord Kivu. Le général Ekenge a dit que la situation est sous contrôle. Arrivé à Batu Oyo, ba Rwandais et tout ça, et au moins clairement été FARDC a toujours na contrôle la région malgré arrivée. Donc au moins clairement malobanais a direct que les Rwandais qui nous ont agressés sous M23, la plupart des groupes armés commencent à avoir pignon sur eux, mais la situation est sous contrôle dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. Vous parliez de la situation militaire, donc précisément du côté de Rutshuru, où aujourd'hui la situation est plutôt calme, effective. Il y a plus de combats. Est-ce que vous avez eu des ordres d'éviter les affrontements? Une question va tenir. Et c'est besoin de ordre pour vous bondater. Nous, on n'évite pas les affrontements. Nous continuons à tenir le front et à fixer l'ennemi. Nous savons ce que nous faisons. Et le moment venu, on va se mettre à l'œuvre. Alors, tu es bien, tu ça. Tu as fixé la mission na Bunagana et pas armée rwandaise sous M23 bazar. Mais, on va se mettre à l'œuvre dans le moment venu. Sans te comprendre. Ils ont fixé le regard à Bunagana. Place ennemie à Vandi. Alors, tant que Kouka Oba attaque. Vous attendez, question, troisième question. Vous attendez pour mettre à l'œuvre l'installation de toute force est-africaine qui est prévue dans cette zone? Que ce soit la MONUSCO ou la force régionale est africaine qui arrive, ce ne sont pas ces forces-là qui viendront remplacer les forces armées.
Ba force ba ko ya meza bango te ba ko remplacer force armée donc na so to comprendre FARDC a ko nini sa batu biloko arriba force ba ko era mo ko aider biso meza bango ba ko remplacer FARDC avance toutes ces forces viennent en appui des forces armées au moment où je vous parle ici il y a le commandant second le commandant adjoint de la force qui est sur place à Goma. Alobi tozana commandant ya force régionale, le numéro 2 ya commandant régional Botunanga nan yangoana. C'est un Congolais, c'est-à-dire le commandant numéro 1 à sa Kenya, le commandant numéro 2 c'est un Congolais. Les Kenyans ne sont pas encore arrivés, les Ougandais ne sont pas encore arrivés. Les Sud-Soudanais ne sont pas encore arrivés, mais les Burundais sont déjà au Sud-Kivu. Ils opèrent à ce niveau-là en appui aux FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, sur place, le matériel kenyan est arrivé. Bah, matériel là-bas, on est à Goma. Mais on attend le moment venu où les troupes viendront. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ayebi si RFI que ba Ougandais nan ba comité ba Soudanais nan ba comité et puis ba Kenya nan ba comité mais ba Burundais ils sont déjà là osomo na bandeko donandenga expliquer que ba Kenya ba matériel la bango déjà ça sur place. Mais Bango Moko ba Kenya ne sont pas encore arrivés. Alors, mais on attend le moment venu où les troupes viendront. Bandeko, ma kamweza minene. Macho yon a nenge zo beta ma ba Congolais tout sera calme. Toko gaye macho. Alors, vidéo yon sera RFI. Ma kamo nyon soya lobi yangwana. Alors, avance. Demandez plutôt la population, la société civile. C'est quelque chose d'ambigu aussi. Puis c'est une société civile qui est manipulée. Si vous regardez bien, c'est une société civile instrumentalisée par les politiciens. Mais si vous poussez, si vous posez, je m'excuse, la question aux gens qui travaillent dans l'administration et aux populations qui voient comment on a doublé les recettes de la province, je pense que la réponse que vous aurez sera différente de celle que vous donnez les gens instrumentalisés. Alors, il y a une société civile qui dit, il y a une population qui a battu l'administration. Il y a une recette qui a été créée, vous comprenez? Alobi, si vous tout n'a qu'à société civile basali, vous comprenez? Société civile basali manipulée. Les provinces sous état de siège risquent d'être exclues de l'élection qui arrive dans un an. Et ce qui veut dire que vous réfléchissez aujourd'hui une façon de faire évaluer ça pour permettre à tous ces Congolais de voter. Il y a 4 ans, les élections se sont déroulées dans le même contexte d'insécurité. Mais il y a eu des élections. Et ça sera la même chose. On va multiplier les efforts pour les élections se passent dans de bonnes conditions. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Tout le monde a été Bandeko, le général Sylvain Ekenge, Azara qui clair et pas ya irifi, pas en France. Anobi, les Kenyans ne sont pas encore arrivés. Les Ougandais ne sont pas encore arrivés. Les Soudanais ne sont pas encore arrivés. Mais les Burundais sont déjà là aussi qu'il faut. Et numéro 2 du commandement militaire à East Africa, Isa Congolais, Azana Goma permanent. Et puis, ba matériel de guerre, il y a ba Kenya, et ça déjà na Goma.
toujours comprendre. Pour tout me kulungula, embouteillage wana na batu, si dossier a bunagana. Ba message zobima ebeli, ou esa pene ba faux et tout ça. Soko landi intervi na yi, ou comprendre yango makambo an tion son de to komi tangango bien, so comprendre te peu ko yo kango na erifi ko sunga yondiko. Pays oyo, esa pays moko, tout ça va déterminer. C'est toujours un point souka. Ou un mécanique. Beaucoup y'a qu'à bandit. Quand tu retires l'avion, exo bazo loba. Complicité ou exo le canaminemo. Pays, ça n'a pas problème. Et bel, il y a des complots et tout ça. Mais toujours un point. Il y a mécanique. Alors, situation est allée à voir. Et ça que les pays, tout ça menace à balkanisation. Le quoi de la menace à balkanisation? Ba Congolais, il faut le monde esprit wana. Il y a bandou qui a Congo. To koma ba nationaliste. To koma ba to ba lingimboka. Nde na mou ba député à Katumbi, yana ba se révolter contre Katumbi. Mouton sa contre Mboka. Bon, révolter contre eux, c'est tout à fait normal. So vous êtes nationaliste. Tellement pour votre pays. Nous devons nous lever pour ces pays. Donc, si on a un centimètre en mon cannabis, nous sommes menacés pour la mission à l'objet. Dans ce pays, dans mes commentaires, je suis d'accord avec le camping. 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 Je suis d'accord avec le toujours. Il y a ma belle. Mais, à l'objet, quand même, le camping est très important. Bazouana batouana be état généraux, armé na bisou. Comme ça va y est, babo ba osama, bibande ou bako biba poissa. Moko bien, ceux qui osent ça ma kamounon bien. Batou bazo tchati ou ba piège. Batou ba ou kouya ne mitambo na bango. Pourquoi? Dieu ne permettra pas ça. Et ça le comme mouton l'on a bien pour yo. Mais yo sa noye ma bidi. Alors ma bébé pour aller, et qu'on soit yoté, n'est-ce pas? Bango. Dans la vie, en cocaïo pété, on y a sa colobana. Pourquoi? Yo sali no ya ma bébé, au tali, oh, n'a la salini. Au tali au folique, je n'ai rien fait, n'a sali le côté, n'a on défendre mon cananga. Y'a le bébé ma bébé, ça tout pour aller, et qu'on soit yoté. Bandeko. Situation tout ça n'ango. Et ça que pas tu vas comprendre position au yo gouvernement balinga toki. Bazan a besoin être armé au yo za réformé. Et effectivement et sous salam. Cela le langage ya ikingi. Ojo ma pia mutu ko asa pena na makamba bien. Bande boye ba mutu ala la na pocha lo baka vrai. Asa pena à l'aise. C'est la même chose. Et quand il y a un peu de poche, il y a un peu de poche. Il y a un peu de l'aise. Nous sommes fixés vers l'ennemi de Bounagana. Le moment est venu. Donc, il y a un peu de l'aise. Elle est qui RFI, bah on va y aller, bah y aller. Pourquoi bah ça quoi attaquer? Pourquoi bah tiki quoi attaquer? Bah vite tout suka kaka kuna, biloko moto déjà ça. Et puis bah ebi, ils ne seront pas là. Bato bazo kansa ke Bounagana kei non, bah okay. Et c'est là moi le principe moi va conjamo ka ba Hollande. Ba tuni me question d'attrape et c'est ba principe non affrontement à l'obino. Nos regards sont fixés vers l'ennemi de la paix. Armée rwandaise sous étiquette de M23. Voilà la situation. Mena biso photo zala na position ya union. Yango moni
ba député Katumbi baza na kanda na inyo sakri falbosa na ini pour l'intérêt de la nation. Ba bone musu baza na rezo so bazo ba batuana baza na baomba kongolete batu musu suzo makamba zo loba biso to lobite so tangi ba commentaire bazo koma. Pourquoi bazo koma bo? Parce que mutu alingi mboka wana ti. C'est qu'il y a ça n'est pas mboka wana ti. Musa oza muta mboka, il faut linga mboka na yote sa ba kongole to keba. Na ma toza na ba vrai ba kongole za ne pena kongole. Mais ma kambazo lo ba contre mboka. Ba ko bulelo mabe, ba mona yo kongole ndeni no. Votre propre pays. Bandeko, botala o ezo leka na Ukraine. Ba kongole. Ba ukrainien baza ensemble malgré bazo sengaka ba armes na ba pays occidentaux. Mais baza penza ini. Yango zomona ki Russie a sa grande puissance a koki bango te entièrement malgré a botoli parti wana mususu. Parce baza ini et puis maintenant ba kongo se force que moi parti wana mususu ya Donbass zape moi parti wana. Ba récupérer yango. Pourquoi force y a kanainio? Et loko ni bandu ka Congo bazo sala to kabwana. To kabwana. Président Félix Tshisekedi la yemoko comme ça ba mona ki toza divisé mungu na kota. Boza na problème. Bino moko nde bo koma divisé. Ba parti na bino moko nde ko panzana. Botika EDC. To sito loba ki a to loba pour l'intérêt ya moko. Président Félix a collé Kanaï. Bisonde total la République démocratique du Congo. Totile kolobaka la personne le chef de l'État, botika chef de l'État. Biso total na makamba mboka. Au moins to ko avancer bien. Bo bazo sala makamba be contre mboka e ko yela binongai. Alors, bandeko toyoki ekengi. Azo lo balaise les paroles moko na kimia batuni bomba okota bi bakota arme kenya bakota na punaka bakota o wapi c'est la EDC bombo ko attaquer te ponani alobi nous avons les regards fixés vers l'ennemi au moment venu masole ko sala c'est à ce point. Tu comment clôturer deuxième point, tu comment kende na troisième point. Chers téléspectateurs, troisième point, n'est que ça la moi passe. Ba Congolais belé, et que ça la ba mope passe que mon position actuelle. Oyo, et ça la mine moui, oyo ma kanika baza ko sala. Bandeko, je ne sais pas si on est à côté de la Zamba. Parce qu'ils étaient dans la FARDC, tous ces trois colonels. Tout le monde a pas de bonheur. Ils ont formé les Tuwanéo. Dans les Tutsiwani, dans les Tuwanéo. Bango ont au sala ni na bango. Aminimbo. Et puis, bazar à Zamba. Wana. Alors, baya ki ko kale convoi ya FARDC pour ba beta ba mobilo. Il y a plusieurs blessés na camp FARDC mais ba ko kiti FARDC a riposté makasi soko soto mona ba mbiskado ba ba osala ba sele FARDC ba zoe ya ba beta ba masasi FARDC pa petit ba mobilo ko na si ba kufi bebele. Na côté FARDC muta kufite mais il y a des blessés. Bango balinga ba créer des nids d'embuscade. Soko la na extra to kotia. Ba lobi boy. Que ba ba o bango ba benga ba mulenge et tout ça les tout ci rwandé o bazana minemwe. Bazo senga ba changer FARDC ezana minemwe. FARDC ezana munem minembo ezo sungati.
ba changer faire des ça miné mbwe pona nini bande ko mayela batu esuki faire des sobo zakina ngona 2018 des sou faire des oyt oa 2022 ti baza déterminé et puis ba lobi que il y a des complices ya ba chef Koutimi na ba société civile toki bana ba baza kozala ba collaborateur ya makanika tourwanir but na mobe éliminer fati sikuna ba kokate bendele koyate suka na mbiskat ezamawa baza ki ba colonel la kata fati soki bazolo ba botala makam. Et je salama, tout le temps que je suis avancé. Ce n'est pas possible. Et il y a un ami entre Tourouaneo, dit ex-colonel Makanika et Fardis. Au sud qui voulait, Fardis se déjoue une embuscade à Kalingi, près de Minemwe. Pendant que ma bête est massacrée, il est blessé. Tu tiens la vie ex. Un convoi de militaires Fardis est tombé dans une embuscade ce lundi 10 octobre. Entre Mikenge et Minembwe Centre. Cette embuscade serait l'œuvre du présumé commandant Tourouaneo de Makanika. L'attaque a eu lieu à environ 15 km au sud de Mikenge à Kalingi. Des échanges de tirs ont eu lieu durant cette embuscade, faisant quelques blessés dans les rangs de Fardis. Les militaires ont poursuivi leur route vers Minembwe après avoir repoussé les miliciens. Bango bazo kene na Minembwe FARDC renfort. Comme na Moussala, comme d'habitude. Bango ba yeko kale bango. Ah! Ex-colonel Makanika. Ex-colonel Mitab. Ex-colonel Semantama. Bazana Katazamba. Mais bazana ki go dirige FARDC. Ah! Tambo zeko lati be pete a FARDC. Ou la ti teni a Fardis. Mouteme zara ki wanati. Mouteme zara ki na Rwanda. Et ça le louti. Ce pays te convaincre. Avançons. Alors. Ba militaire ba landi bango. Trois vaches ont été tuées lors de ces échanges de tirs. Une source sécuritaire soutient qu'au retour, quelques heures plus tard pour Mikenge, le convoi de FARDC a été stoppé par une barricade érigée par des habitants de l'Axe à l'envers Kalingi. Tant que les sous, les sous, les sous, les sous, les sous, les population ya Minembwe, sous, les sous, les sous, la plupart na Minembwe, les sous, les sous, les sous, les sous, ces habitants manifestaient pour demander le remplacement de l'unité de FARDC dans la zone. Le convoi s'est finalement frayé le chemin pour poursuivre sa route. Balobité, il faut changer FARDC Oyo. FARDC, c'est ça la mine, pour que ça nous salle bien. FARDC, signalons que dans la zone de Minembwe est marquée par des tensions, ce qui est récurrente, dues à des opérations de FARDC lancées contre les groupes armée Tourouaneo. Alors, sans plus tarder, ton landabande copas, bozo monawana, marche d'unité nationale, le peuple dit non à la balkanisation de la RDC. Aucun centimètre de ce pays Makanika, Bokozoa, ne sera vendu ou cédé. Message wana, ex-colonel Yokayamo. Osaraki na FARDC, yebake, aucun centimètre de ce pays ne sera vendu aussi. Alors, sans plus tarder, Toyoka. Ma commande est le cas qui embuscade. Bon, on continue la mission.
Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du sud Kivu, précisément à Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Un convoi des FARDC ayant quitté Mikenge pour Minembwe centre est tombé lundi dans une embuscade des présumés combattants Turwaneo. L'incident est survenu vers 6h du matin à Kalingi, environ 15 km de Mikenge. Récit des faits avec Fiston Ngoma Mayabala. Au cours des échanges de tirs qui ont suivi cette embuscade, des sources de sécurité renseignent que quelques soldats de FARDC ont été blessés. Cependant, les militaires auraient poursuivi leur route vers Minembwe après avoir repoussé ce milicien. La même source ajoute que 2 heures plus tard, lors du retour de Mikenge, ce convoi de FARDC a été stoppé par une barricade érigée par des habitants sur l'axe allant vers Kalingi. Ceux-ci manifestaient pour demander le remplacement de l'unité de FARDC dans la zone. Le convoi s'est finalement frayé le chemin pour poursuivre sa route. Notez que depuis la mort d'un casque bleu de la MONUSCO, dont des Turwaneo sont accusés d'en être les auteurs, la zone de Minembwe est marquée par des tensions récurrentes dues à des opérations de FARDC lancées contre ces groupes armés. Ces opérations sont remises en cause par certains leaders locaux qui demandent le changement de l'unité de FARDC, les accusant d'attaquer des civils à Kalingi et Kivumu et de travailler en collaboration avec les miliciens Maïmaï. Les FARDC de leur côté soupçonnent les notables et la société civile d'être proches, voire des bailleurs de fonds pour les Turwaneo afin de déstabiliser la région. Duvira Fistongo Momayapa. Bandeko Botala. Soki tozoloba. Batuyo. Et ça m'a ouais. Komona koma position bango bazui. Et se soumati. Ba Congolais to telima. Toza na position moko toza attaqué na ninga mokiti. La balkanisation de bongoni banderole ko sala mati. Centimètre ata mokote ya mboka na biso kolongwa. Ndenge batomboli banderole wana no a la balkanisation. Mayelo tu bo sala biso to telemi kaka wana. Bandeko bolandie. Baye ba peuple a Minembwe bango nyonso ba tutsi Rwanda ba telemi. Côté les misa FARDC, quoi, ça manque. Il faut FARDC au lieu longwa awa. Biso to lingi binote, parce que Maïmaï peut basa ko attaquer biso. Bande kota la, na Minembwe. Toza o bazo benga les Maïmaï ba nationaliste. Ya kutumba. Ba lobby hein. Makanika ya ko mona biso Maïmaï na nzela na bino. Sikoyo ba maimai ba defanda ba intere ya mboka. Oso comprende? Ba aliwane ba o defandre mboka. Yango moni batu wana baza mawatru. Makanika so kukati. Batu wana suka suka ba kenu kanga bango na kata zamba. Ano, sobe to ota situation nyosu. Batu tu yambaki. Basa kwa atake FARDC ni wa de blessé. Bon combat, bon soir, on a convoi, bah mon monde, bah bimé, bah nous qu'on tire bino. Ainsi, bah on peut pas couvrir qui belle. Tantôt on a bah attaqué en dégoûtant, des blessés na kata faire des sabots sanglanti. Bah la mort, bah on va cotiser, bah qui mira zamba. Et tout ceci, ceux qui tous ont tant les amours, et puis population les sous-amine mboué, bah zo télé mis à côté, j'ai faire des coups et ça bah on m'a commandé quoi. Et puis, bon, l'andu, on a ba chef coutumier, ba complice. Ba, on peut pas aussi nga faire des si wana zana minem ba longwa. Non. Ba konzi. Bo tika ka faire des si wana. Chiwewe. Tiela biso ka ka faire des si wana ga kapo ba asa avri boulo. So, mon ba lingi ba tuana te. Se ke ba faire des si wana zaba nationaliste. Ba lingi mboka na bango. Yango moni na minem ba lingi faire des si wana. Bo tika bango wana. Bon changer bangouti. Babou baso boye bango pote. Bande ko la station ou bato ba osa na mboka na biso. E moso vande lobi. Ah. Maintenant la question to retourna. Les Tutsi qui sont en RDC. Les Rwandais ou Tutsi qui sont en RDC. Est-ce que bozo mwana makabande ko na biso bande ko na bino bazo sala te na sud Kivu. Bozo makamakani ke Turwane yo bazo sala te na sud Kivu. Et c'est bozo loba nini. Ba Rwanda bo panzani nyoso na EDC ba musu baza soki na Congo Central. Ba ebele na Kinshasa.
Lubumbashi, partout ma panzana na RDC. Bozana posa bovanda na biso. Bolo ba pena bande kona bino wana. Bo se soulevé contre bango to mona jamais marche de l'unité. To monga la mona tene ebite so na zanere. Ke ba tutsi rwande ba koti na balabala na panderon. Ke arrêté. Le Rwanda a arrêté d'attaquer la FARDIS et les forces armées congolaises. Tout le monde a dit de voir ça. Que baza dans la rue, dans l'avenue, ils sont là pleins avec banderoles et puis des écritures que le Rwanda arrête d'attaquer la RDC. Hein? Mais comment ça la commenté pourquoi? Ce n'est pas le lien qu'on voit dans la RDC. Ndeng bozé pelé na etis. Mpou lak sape yango. Eh, je me souviens. Ministre de l'Intérieur a loba yango Daniel Asselo. A lui bino ba Rwande o tou nyonso. Bino bo loba kate. Bango fo ba loba kapite. Bavan na monye. Celui qui n'a pas dit non a dit oui. Donc, le col à la vanne à la ronnie, c'est pédacané, bateau au salabandeco. Bon, comprendre, pas signer au salabandeco, on a su ma femme de sobazouki. Que mon tabet m'a massassi, asa mon toit à Zalakina Bango, na Katia Fatis, a décédé à côté de Zamba, a yéli soit bête, il est même à Ningo Yozakina Bango massassi bazouk. Alors, si tu as la bilo gande wana, ezo sala moutou passe pe passe. Ba Congolais to mona musika. Dossier to zanango za dossier mounene. Ezo senga biso nyonso to tele ma paske, son otala, situation yo, ozo mona clairement, ete batu oyo biso foto tele ma kolanda batu oyo. To bengana batu wana o nyonso ya makane kabazana zamba. Bakke de ton landa ba otina source. Ambiscade sa ki tremabe. Yayi de plessi. Ba zuki na ndinga mukiti. Voilà citation to zanango. Bandeko, e sa passi. E komi tabi sos to tele ma pona mboka. E komi tabi sos to zanabo moko. Ete, to bato nyonso o ba lini mbokati. To atake ba mboka kiti. Les territoires congolais. Voilà la situation de Zanango. Maintenant, tout le monde a été embuscade de Salama qui va menacer Bango. Alors, bande Korabiso, Nyon, Soana, Bazaki, attaqué, Bazoki, Bele, voilà la situation. Alors, bande Ko, tout le monde a été Nyon, Ndegeni, Batouane, on a Makane, Kabaye, qui a attaqué Fardis. Tout le monde a été Nyon, Ndegeni, Ambiscade de Salamaki. Sikoyo. Ce qui va toujours l'oba pour la patrouille. Bazana besoin kaka. Parti on a miné mweso basala ni même. Bozo l'exalère. Ce pays est qu'on n'a jamais balkanisé. Nde bomoni na bandero l'ouana. Alors, bandeko. Et ça passe si bien. Mais biso. Tout élément ensemble. Pour tout le monde, on a eu le RDC. Alors, c'est à ce point. Tout comme clôturer mission. Bon, de quoi nous s'abonner, s'abonner massivement. Bon, partager. Au revoir. À la prochaine.